La dîme, c'est un principe divin qui date depuis des siècles et des siècles et qui consiste à donner 10% de ton revenu, de ton profit dans ton business, de toute augmentation. On te fait un cadeau, on te fait, ton gars te donne l'argent, peu importe comment l'argent a touché ta main. Même si tu vis chez quelqu'un, tu manges seulement chez la personne. Estime que chaque mois, je mange 10 000. Tu sors 1 000 francs, tu donnes. Donc, la dîme, c'est 10%. Et cela doit être payé là où tu es nourri spirituellement. Beaucoup d'entre vous, pour l'instant, vous errez. Tu es là comme ça, là, tu erres. Et tu as besoin d'une certaine fondation. Tu as besoin d'un ancrage quelque part. Donc, la dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. Pas seulement, pas que c'est à l'église où tu pars. Là où tu es nourri, là où tu ressens, que je sens, je reçois ma nourriture et ma force spirituelle ici. Je ressens, je reçois la direction. Je vais en parler dans une autre vidéo peut-être parce que aller dans une église, s'asseoir, faire, parce qu'on chante depuis 15 ans là-bas, c'est différent de l'endroit où tu es libéré, tu es nourri, tu avances. Donc la dîme, c'est un acte personnel entre toi et Dieu. Tu ne peux pas payer pour ta femme, tu ne peux pas payer pour ton mari, tu ne peux pas payer pour tes enfants. Et malheureusement, on ne nous a pas enseigné la dîme. Parfois, dans les églises, on enseigne, mais on ne vous donne pas l'importance de la dîme. La dîme, c'est toi qui ouvres ton compte, ta main, tu dis à Dieu que j'ai reçu telle somme, je retire 10% et je te donne. Pourquoi? Sur la base de quoi? Tu vas donc dans Malachie chapitre 3, au verset. La Bible dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc la dîme ne se paye pas aux orphelins, parce que ton argent, il y a une partie de ton argent qui part aux orphelins aussi. Donc ta dîme se paye là où tu es nourri, dans la maison du trésor, là où tu es nourri, pour qu'il y ait la nourriture dans sa maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc tu payes ta dîme là où tu es nourri spirituellement. Et c'est maintenant Dieu, parce que Dieu, le message qui de Dieu, ça vient à l'homme ou la femme de Dieu. Et le message qui de sa bouche pour toucher ton cœur. Maintenant, toi, tu prends l'argent ou ce que tu as reçu, tu retournes dans la maison du Seigneur, là où tu as reçu le message. Et c'est Dieu qui te bénit. Donc, c'est une sorte de triangle. Toi, tu ne peux pas donner à Dieu puisque tu ne le vois pas. Et ce que Dieu va faire dans ta vie maintenant, c'est Malachie 3, versets 10, 11 et 12. Il va menacer celui qui dévore. Les fruits de ta terre ne seront plus détruits. La maladie ne va plus passer dans ta maison. Et tu auras la bénédiction en abondance. Donc, ce n'est pas un problème entre toi et le pasteur. Ce n'est pas un problème entre toi et la personne à qui tu donnes ta dîme. C'est entre toi et Dieu. La personne est juste un canal. Voilà.